yaye fudd bo fuddo ba nap nga wax fama fama sa borom keur joge alla fama anu mbara sa ci bopale di anu mbara baaji anu mbara boko dege day fekk jommi wo mbana jaxle baaji li ma andi ni lan la yow ni la meuna jaxal ça c'est une jusque du bois de chauffe ma la gëna xamni ni mat la dama ne mat bi lu muy wut ci kër avec ça tu vas préparer matin midi et soir c'est tout moy li dépasse néna moy mo lim ni ba nopi matin midi soir eh li fu mu joggé la bëgg nga dello ndax man sama baram bi gëna tuti du ko laat fama fama man mat la xam sama mam mat la xam sama mamati mam mat nañu xam lol yena ko xam te yow man bu ma lay tak mat nañu toge ya pare nga nak yow am ba pare nga yow ya xam ban jabar nga takki won ak ki matin mu man kéro biñ may tak sama mbarani ci gas lañ ko tek ya may deg budé da nga yow Apa yang dengar nak aku lagi? Sa suki, tafar doi, mubul bawa haman tene. Disuit le matin, le soir, ye amul le beur. Ha, adu ne sepan ci film yi. Ha? Yo ki suwa, le film amul la, nyu nyu, lo kote, akwa la liye ki yoyu. Pai le sini yi wai. Mama, Inki? Non, c'est le fils
de mon grand frère qui était parti terminer ses études en France. Ah bah content de te revoir. Non. Ton père m'a dit que tu es là depuis la semaine dernière. Oui, mais... Mais il n'y a pas de lui et de mai. Qui sera le vrai? Iki. Iki, tu oublies que c'est moi qui ai fait des prières jusqu'à ce que tu obtiennes ta bourse étrangère. Oui, oui. Iki, tu oublies que c'est moi qui ai fait des sacrifices jusqu'à ce que tu obtiennes ton visa. Iki, je n'ai rien besoin de toi. Petit bonjour. Mais c'est ce que je viens de faire. Et qui vous l'avez fait tardivement. Mais à part maintenant, il faut le pardonner. Il te met. Def diwa, amun jeri. Pardonne-moi quoi. Parle-moi quoi. Tu me connais bien, Niki. Je ne garde rien au cœur après avoir dit les choses. Ça, c'est mon mari. On se voit bien, madame. Ça va, ça va. Je madame. Oui. Et que tu viens. En parlant de la bougnard, on trop. Iki. Iki. Oui. Iki. Ton père m'a dit que tu es rentré au pays et tu es venu avec un projet. Exactement. De mon bougon, quoi? Quel genre de projet? Ah! C'est la création d'un musée des arts et du patrimoine. C'est quoi ça? Non, ça nous concerne tous. Écoute, madame. Un musée est un espace ou un lieu où sont exposées et conservées les œuvres d'art ou du patrimoine. Iki, Iki, dans quelle école tu as appris que nous avons mal conservé les œuvres du patrimoine? Non, en France. Amédia Mankafia, je ne dis pas que vous avez mal conservé les œuvres, mais à part, je trouve que c'est très mal mis en valeur. Et il a parfaitement raison. Hey, si tu dis encore qu'il a raison, tu vas quitter cette maison en courant. En bas. Y'a plus qu'à mourir. Assez qui fait. Madame, c'est pas grave. Je sais que vous êtes la triste réalité. Femme, tu t'en vas. En bas. Pour te faire une idée. Je te conseille de venir visiter le musée. Moi? Visiter le musée? Non, il a raté mon éducation. Non. Asson, Asson, un papa va venir te parler. Inki, il est là. Il est venu avec son projet. Asson, projet, il veut que tu beaucoup de. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, tu es là. 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 Tu es là.
ñi di souci di dag fi la woy xamuñu ñu ngi avancer lo geej nan lañ ci jukté am ba asso en tant que représentant des hommes il ne faut pas perdre de temps. Il faut prendre des mesures radicales contre ce jeune Niki qui est rentré pour porter atteinte à nos valeurs culturelles. Ampa, je suis au courant. Mais les femmes m'ont demandé d'abord d'entendre le concerné avant de prendre une quelconque décision. Mais Asso, il a fait exprès de venir en retard. Il sait ce qu'il attend. Comment peut-il exposer un fétiche dans un musée? Moi, j'attends qu'il arrive pour me dire le pourquoi. Alors, il y a un peu de Assom, le pire, c'est qu'il faut faire revenir la dépouille de notre ancienne guerrière Iribo, que les colonisateurs ont tué et présentement exposé dans un musée de l'Hexagone. Quoi? Et qui a osé? Bonjour! Il ne faut pas nous saluer, car tu as volontairement décidé de faire la guerre au monde des ancêtres. Inki, dis-moi, qu'est-ce qui te prend pour nous dévoiler au reste du monde, le Nadjot? Mais je n'ai aucunement l'intention de dévoiler nos secrets. Arrête de mentir avant que je m'explose. Arrête. Ampa, on n'en est pas encore là. Et que vous nous faites là. Donc, il faut lui dire d'arrêter de mentir. Ampa. Ampa. Asso. En tant que jeune qui a fait de longues études, en tant que jeune qui a fait des recherches si poussées sur notre patrimoine, je suis un des premiers défenseurs de notre culture. Maître. 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 Aïe. Oui, en bas. Doucement. Et calmons-nous. Et laissons-lui le temps de terminer ses explications. Je n'ai pas le temps d'écouter des bobards. Mais c'est mieux de t'écouter. Je répète que mon projet consiste à revaloriser les objets du patrimoine dans un espace appelé musée. Et qu'est-ce que la dépouille de notre ancienne guerrière vient faire dans votre musée? Asso, je te jure, si on n'arrête pas ce jeune, il va nous humilier. Enfin, calme-toi. Cette dépouille qui est gardée et préservée pour eux dans un musée en Europe, exprime beaucoup de choses. Le refus de l'aliénation, l'exemplarité dont elle a fait preuve, notre histoire qu'elle a défendue jusqu'à son dernier souffle. Nos fils et nos petits-fils doivent savoir qui elle était. Assom. Assom, Inki est en train de réveiller une douleur très profonde que le colonisateur nous a infligée. Et non, écoute, trop c'est trop. Soit on lui casse la gueule, soit tu me laisses partir. Ampa, écoute. Ampa. C'est bon. Ampa, écoute, ouais. Ampa. Ampa. Assom. Inki t'y a vu. C'est pas grave. Il comprendra après. Et... Asso, viens visiter le musée avec moi. Yo, Inki, donne-moi la boubade. Man, dem. Yo, ma fille, man. Asso, viens, tu verras que ça a un autre majeur pour la région. Viens. Allez, Asso, viens, viens voir. Inki, doucement. Doucement. Tu sais comment je suis. Oui, assommez. Doucement, Inki. Oui, allez, viens. Mais ne dis pas en bas. Écoute, ne le dis pas en bas. Oui. Viens, viens. Asso, viens. Oui, doucement, mais c'est mon temps qu'il n'y a pas. Viens, Asso, viens. Femme, comme d'habitude. Femme, guérine du Nigbi. Femme, rien c'est pour baisse, là. Yo, xam nga luma jaaxal. Yo bo yek sé do ak ci bir ci ëpp bi rek ngay taxaw di ma yuhu yow li yalla neegu marié de mo li ma xam doyna ci fam fama mo wa fama pour man damay ñëw di waxtaan ak yow nga may sewal fam du lool duma tok fama duma tok ndax fama li xew ci Sénégal dama kay wax waaw je vais tout dire waaw fam Fama tay man ma dugg ci all bi Fama gëra bi dañ ka gol ba nga xamanté da nga tollu dëkk bi seen sa dëkk maron Fama Fama bu yagge fu ñuy def adak ciosan en Fama boko xamé wax sama mbokk séréer yi jolay fan lañuy défaré seen lël tukku lër yi na ma randuma fan lañuy défaté sama mbokk ki lepp yi Fama la war na ci waxaté li ñuy gol garab yi
Inki a osé m'insulter. Yo ampa inki dorogul la. Fu la doré ba sa yaram bi mok wallahi di nga bay inki. Yo ngir yalla bay doomu jambour bi ak ay projetam. Xalé bi da né ciëpp ak ay projetam nga ngap ko ngawti bi côté bi bo. Ngir yalla bay doomu jambour bi. Fama. Xam nga yow xamulo inki. Projet bu ngay wagné sax da nga deugul tour projet rek yow diko même pas qu'est-ce que c'est qu'un projet. Xamna ni walum liguel. Lool mom xamna. Fama. Le principal objectif de Inki est de faire revenir la dépouille de notre ancien guerrier Iribo ici. Apa? Quelle dépouille? Hein? Tu menais celle de la brave Iribo. Celle de notre grand-mère qui a dit non à l'envoyeur. Celle qui a dit tout haut cette raison, tu n'osais pas murmurer. Celle qui a crié même sa rage devant le fusil de l'envoyeur. Inki, ne sait-il pas que nous avons déjà fait son deuil? Hein, Ampa? Il ne sait même pas que son âme est rentrée au bergaï avant même qu'elle ne soit morte. Hé, cette dépouille qu'ils ont suée en Europe ne va pas revenir ici. Waouh! Ndaxte Ampa, buñ ko fi gele, mi ngi wër dara jottu ko. Yobbu ko fa doroxal ko ba yaram bi lopp. Bu mu wañé ko ñu war ko andi, andi lu ñu nit ñi néwum. Wallahi ñu yor ko fa, ñu naan ñom ñoko fay exposer. Ba waxtu bi ñu bu ko andi, ñun dañ ko dejeel ba nopi. Kenn ko fi saraxé waat. Du fi yegg. Fama. Fi dara du fi yegg. Fama. Fama, est-ce que tu m'aimes? Non, Fama, est-ce que bëgg nga mo? Est-ce que yow, bay ma yow suma la bëggul lu may wut ci kër gi? Non, dis-moi, je t'aime. Fama. On va aller mettre le feu dans ce bâtiment pour faire disparaître les traces de ce projet. Tu as parfaitement raison. On y va. Viens, Assom. Merci, Assom. Merci d'avoir accepté de venir visiter le musée qui commence à prendre forme, sûrement, mais lentement. Pour vous, c'est gratuit. Donc c'était bien. Ah bien sûr. Bon, d'abord, nous allons commencer par la présentation de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Nous avons sillonné le pays et pris énormément d'images relatives à nos cérémonies culturelles, initiatives de nos différents groupes ethniques. Ok, je vois. Ce sont des pratiques qui regorgent plein d'enseignements. Oui. Bien. Hein? Bien. Regarde. Dans la grande salle sont exposés des centaines de masques. Oui. Qu'est-ce que nous faisons de faire ici? Ce ne sont pas des fétiches. Regarde. Oui. Derrière ces objets du patrimoine se cache notre façon de faire, notre histoire. Je suis présentement en train de me battre pour faire revenir en Afrique une partie de nos œuvres qui ont été prises par le colonisateur. La dépouille de notre héroïne en fait partie de ces œuvres qui nous appartiennent et qu'il faut faire revenir. Inki, viens, c'est pas encore fini. Viens. Les enfants d'aujourd'hui. Dans la petite salle sont exposés des tableaux d'art. Ce sont des tableaux qui reflètent l'initiation en milieu Diola. Il y en a d'autres qui parlent d'initiation en milieu Mandel. Sans oublier le nœud chez les Legou, les serrés, les doubleurs, etc., etc. C'est une façon de même. Sous,
sauté rek nga taal. Je ne peux pas ne pas m'énerver. Tu refuses d'exécuter ce que je te demandais de faire. Ampa, à l'intérieur, il y a des gens à l'intérieur. Je ne peux pas mettre le feu au bâtiment. Fama, tu n'iras pas au paradis. Si tu veux aller au paradis, il faut faire tout ce que ton mari te demande de faire. Oui, Ampa, mais pas pour brûler des gens vifs. Ampa, donne-moi Bonjour, Ampa. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir visiter le musée avec madame. Hey, Niki, tout le plaisir est partagé. Hey, allez de partager du plaisir avec toutes les personnes que tu rencontres. Ampa. Femme. Tom. Viens. Je te conseille de visiter ce musée pour mieux comprendre les enjeux de ce projet. Assom, hey, laisse-moi partir. Assom, tu connais très bien Ampa. Allez. Je suis la sœur d'Ampa. Dina la gungé après son bougé. Bakri Kurdi. Ouais. Non, mais visiter, tu vas mieux comprendre. Merci. Voilà. Merci, merci ma tante. Merci beaucoup. Ma tante, bon. Nous avons des vidéos qui mettent en exergue les fondements de l'initiation en milieu violent. Il y en a d'autres qui parlent d'initiation en milieu mandingue, tout, etc., etc. C'est une façon de montrer la richesse de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Venez, dans la petite salle, sont exposés des tableaux d'art. Ce sont aussi des tableaux qui reflètent. Là, vous voyez ce tableau, ça reflète les diolas. Là, vous voyez, ce sont les serrés de l'autre côté. Ouais. Ça, Foulé. Au sommet. Ampa. Ampa. Je suis désolée pour tout à l'heure. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ampa, Inki nous a fait visiter son musée. Mais ça a un atout majeur pour le développement économique et touristique de notre localité. Je te conseille d'aller visiter ce musée. Demande à Yangi Rantenak. Je vois que tu as été corrompu par Inki. Quoi? La légende. Orobi. Jamais je te dis Ampa. Tu me connais très bien avec ma franchise et mon honnêteté. Oui. Ok. Je vois que tu me prends pour une corrompue. Mangitem. Ok. Et à qui? Assom. Assom. Oh, bye, madame et femme. Assom. Maman, bye, maman. Eh, allez, Assom. Toi. Toi, tu veux te foutre de moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qui t'a donné l'autorisation d'aller visiter ce musée à la con? Ampa. Qui? Ampa, c'est Assom qui m'a dit de rester. C'est Assom, ton mari ou moi? Ampa, je suis désolée. Excuse-moi, Ampa. Ampa, je suis désolée, excuse-moi. C'est trop facile. Si tu veux que je te pardonne, il faut aller mettre le feu dans ce bâtiment. Après, je te pardonne. Un peu de grâce. Écoute, soit tu exécutes, soit tu quittes cette maison pour le bon, c'est tout. Ok, dis-moi ce que je dois faire. Voilà. Je vais te donner de l'essence que tu vas verser autour du bâtiment. Avant de mettre feu, c'est jamais un pas. Ja. Défends-moi quoi, ouais. Parmi les œuvres exposées, il y a le masque de l'oncle Essamay. Quoi? Oui. Le masque de l'oncle Essamay. Non. Non.
Non. Le masque de l'ombre est sa main. Non, Inki. Inki. Comment peut-il exposer un fétiche dans un musée? Voilà. Tu vois que si je mets le feu au bâtiment, c'est tout qui va disparaître. Et si ce fétiche brûle, c'est toute la famille qui va disparaître. Enfant, père, oncle, tante, grand-père, grand-mère. Fama, il ne faut surtout pas mettre le feu dans ce bâtiment. Billahi wallahi talahi. Qu'est-ce que vous venez de savoir? Oui. C'est toute la famille qui va mourir. Voilà. Et compris même Inki. Si tu le permets. Mais Inki est un jeune très ambitieux. Enfin, Girial, écoute-moi avec ton cœur. Il faut aller visiter cet espace pour comprendre les chances de ce projet. Nudem. Je vais aller récupérer le masque. L'autre visiteur! Oui, on est là! Allez, on va aller, encore, venez! Ah, en quoi? En quoi? Tu vois, en quoi? C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Installez-vous, prenez place, en quoi, installez-vous! Ok, j'arrive! Prenez place, j'arrive! Voilà, merci Ampa, merci vraiment, merci d'être venu. Bon, un président français disait que les Africains ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Et bien à travers ce musée, nous allons lui montrer que nous avons bel et bien une histoire. Tous ces œuvres qui sont exposées traduisent l'expression de ce que nous sommes. Attends, Inki. Oui. Inki dans tout ça, qu'est-ce que nous y gagnons? Moi. Des gens qui viennent de partout payent pour visiter le site. Oui. Donc ça fait la promotion du tourisme. Les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants trouvent le compte. Et les jeunes de la région sont embauchés par ce projet. Yo, Ampa, je te l'avais dit. Ça a un atout majeur pour le développement de notre région. Oh, mais Inki, ça c'est vraiment vital pour l'économie du pays. Oh, regarde ce beau tableau d'art. Wow. Thank you.
suis désolée. Après avoir regardé encore le spectacle que la tour nous a présenté tout de suite. Et dire que toute la générosité du monde artistique, des artistes en particulier, voilà des gens qui travaillent, ils font tous des efforts et à la fin ils n'attendent pas qu'on les reste. C'est eux qui les restent. Vous savez que tout de suite, ils veulent rester le public. Alors c'est à nous de les remercier. Parce que vous avez des moments de plaisir, des moments de bonheur, des moments de liberté, des moments de gaieté. Voyez ce qui se passe dans ce pays depuis quelques jours. On va éviter les Sénégalais. Le Sénégal, c'est ça. C'est les Ibola, c'est les Mandel, c'est les Wolof, c'est les Nebou comme ils l'ont présenté ici. Donc, encore une fois, le merci, c'est vous. C'est vous qui le méritez, nous disons, oui, merci. Alors, à monsieur l'administrateur du monument de la Renaissance, je ne sais vraiment quoi dire, je l'ai dit l'année passée, il m'a demandé qui avait la douleur de Dieu l'année passée. Il nous a apporté bonheur, il a été affecté à ce réchauffement et il a encore emporté. Et le plus du théâtre et le grand prix du festival. Alors, pour moi, je sais pas, j'avoue que quelquefois je ne sais même pas exprimer ce que je ressens à son égard, surtout à le dire en France. Il y a des choses qui nous lient, je ne sais pas, c'est peut-être hors de nous-mêmes. Voilà quelqu'un qui comporte beaucoup d'esprit, franchement. Tout ce à quoi je touche, lui, il met ça la main. Vraiment, depuis l'année passée, cette année, ce serait ma deuxième édition. Il n'a cessé d'accompagner le festival en prenant un prix, mais aussi en méritant la coupe loyale. Il nous a toujours accompagnés et je crois qu'il va continuer à le faire. Je m'en remercie bien vivement. Par rapport à ce spectacle que vous avez présenté devant ce parterre d'enfants qui vivent l'excellence, qui sont fêtés parce qu'ils ont été excellents, vous aussi, vous avez été excellents dans votre chambre. Ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de continuer à cultiver l'excellence. Vous avez été excellents partout où vous êtes passé. Vous êtes dans la formation, vous êtes dans l'animation, vous avez tout ce annoncé au festival auquel je vais engager le festival à y participer pleinement. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je vais essayer de me concerter avec la francophonie, il est là, lui aussi, il vise l'excellence. On va essayer pour ce nouveau libérateur de voir comment on la trouve. Pourra être encore, non, tiré hors compétition. Il va être sage en fait au bon moment. Vous serez hors compétition, mais je vais vous inviter au festival de l'ouvrage en décembre. Mettez ça sur le travail. On aura besoin de vous pour le spectacle que nous allons essayer de comporter avec vous, pour que le vendeur de Sénégal puisse savoir qu'il y a autre chose que la méchanceté, il y a autre chose que les railleries. Il y a autre chose que les insultes. Nous avons le Sénégal, n'est-ce pas? De Jean-Claude Bamba, de Jean-Claude Nyangéry, de Alice de Mamé. Nous avons le Sénégal à présenter à la face du monde. Voilà ce que je voulais dire en disant encore une fois merci au mouvement de la naissance. Je vous remercie.